Bienvenue à tous présents en vos grades et qualités en Ordnung gegrüßt. La fondation Auschwitz est le rêve de quatre hommes. Il est devenu réalité. Ce sont des témoins, des survivants, Paul Alter, Maurice Goldstein, René Rindorf, Henri Goldberg. Ce qui a débuté en 1980 est devenu en 40 ans un centre de ressources et d'éducation reconnu et présent dans tout le royaume. In ganzet Land, want Stichting Auschwitz heeft inderdaad in al zijn acties en activiteiten een strikte tweetaligheid steeds hoog in het vaandel gedragen. Een van de prioriteiten van de stichting is het vertalen van wetenschappelijk werk in een pedagogische en begrijpbare taal. Zo verschenen 133 nummers van het wetenschappelijk tijdschrift sinds 1982. 41 traces de mémoire et 50 bulletins pédagogiques ont été envoyés depuis 1998 à toutes les écoles afin de proposer un appui pédagogique au corps enseignant. 42 studiereizen werden naar Auschwitz reeds georganiseerd sinds 1978. Zij maakten duizenden leerkrachten en geïnteresseerden aandachtig aan de herinneringseducatie. Depuis le début, la Fondation Auschwitz a voulu préserver la voie des rescapés de la Shoah, ainsi que des résistants qui ont mis leur vie en danger pour la liberté. Cet engagement d'archiver les témoignages s'est renforcé au fil des années avec le concours du Fonds Fortunoff, de l'Université de Yale et de l'Université libre de Bruxelles. En outre, la Fondation a toujours été ouverte à des thématiques liées aux crimes de masse et génocide du XXe siècle, faisant fi de tout carcan. Cette soirée en est la preuve par excellence. We always try to give an international echo to our work wherever possible, which is why we are currently completely refreshing our English website. Und wir versuchen auch unsere deutsche Freunde und Landsleute nicht zu vergessen und stellen mit ihrer Hilfe Bildungsmaterial in deutscher Sprache zur Verfügung. J'appelle à présent le professeur Bernard Dan, président de notre conseil scientifique, à prendre la parole. En route vers 40 nouvelles années, op weg naar 40 nieuwe jaren.